Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Nous sommes le, bonne question, jeudi 2 juillet 2015 semble-t-il, veille d'un jour férié aux États-Unis, avec un jour d'avance, fête de l'indépendance aux États-Unis, le 4 juillet, jour, date historique où les États-Unis eh bien, ont fêté leur indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. C'est donc pour cette raison que le vendredi 3 juillet sera férié. Wall Street sera fermée. La publication du rapport NFP est avancée aujourd'hui à 14h30. Alors, ce rapport NFP, moi j'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail tout à l'heure, notamment dans l'émission spéciale qui aura lieu à 14h15. On va faire autre chose, ce matin c'est le morning meeting forcément, donc on va faire le tour d'horizon complet des actifs financiers, les paires majeures notamment, les paires croisées, bref, tous les actifs qui vous intéressent. Pas un mot sur la Grèce, ça ne sert strictement à rien dans l'attente du référendum organisé le dimanche 5 juillet. Par contre, justement pour en finir avec ce sujet-là, vous avez sur notre site, toujours en page d'accueil, une vidéo, une infographie. Des scénarios possibles sur les référendums en Grèce. Donc voilà, ça dure quelques minutes. Je vous invite à le parcourir. Il y a plus ou moins dedans les tenants et les aboutissants. À venir cet après-midi sur notre site, les toutes dernières données de notre Speculative Sentiment Index, le SSI, ainsi qu'un article d'analyse technique sur le DAX. Bref, surveillez régulièrement le compte Twitter d'AliFX France, ainsi que la page d'accueil du site, en l'actualisant de temps en temps, pour voir les articles qui tombent de temps en temps et qui sont en lecture libre. Alors, on va parler donc de tous les marchés, dans l'ordre. Le Morning Meeting, c'est son principe, panorama complet de toutes les classes d'actifs. On va malgré tout conserver un cadre, c'est-à-dire qu'on va commencer par le Forex, puis les indices boursiers, puis les matières premières, puis les marchés de taux. C'est plus ou moins la façon dont les choses vont s'organiser. Je vous rappelle que la bourse d'Athènes est fermée toute la semaine, tout comme les banques grecques. C'est le fameux contrôle des capitaux qui a été mis en place par le gouvernement grec dès lundi dernier. Contrôle des capitaux qui s'exprime à travers la fermeture donc, des marchés financiers, des banques, pour éviter une panique et surtout permettre l'organisation dans de bonnes conditions du référendum dimanche 5 juillet en Grèce. À propos de ce référendum, à nouveau, vous avez sur le site la vidéo d'infographie sur les scénarios possibles. Sur la Grèce, j'en dirai pas plus, hein. Simplement, je vous rappelle les derniers sondages. Le oui gagne du terrain, ce n'est pas une surprise. Dès lors qu'on met en place un contrôle des capitaux, le peuple réalise à quel point des contraintes s'imposent. Ne pas pouvoir retirer plus d'une certaine somme d'argent au guichet, imaginez avoir de l'argent en bourse et ne pas pouvoir vendre. C'est tout de suite une partie de son capital qui n'est plus accessible, et bien ça fait peur. C'est donc pourquoi, depuis le début de la semaine, le oui dans les sondages, il est passé de 30% à 47%, ce qui serait pour Alexis Tsipras un désaveu puisqu'il appelle à voter non. Puis bon, derrière, il y aura de l'incertitude politique, ça c'est encore un autre sujet, on en reparlera. Bon, Wall Street s'en est bien sorti. Aujourd'hui, la publication des non-farm payrolls. Qu'est-ce que c'est, les non-farm payrolls? C'est quoi la différence avec l'ADP? Finalement, c'est quoi le rapport ADP qui a été publié hier? Si vous ne savez pas répondre à cette question, ce n'est pas bien, parce que ce sont des statistiques majeures. Mais rassurez-vous, je vous refais un topo complet à partir de 14h15. Je vous expliquerai en détail ce qu'est l'ADP, par exemple. Qu'est-ce que c'est hier que ce rapport ADP? Ça repose sur quoi? Comment ça marche? Vous allez voir, c'est tout simple, c'est simplement des personnes enregistrées auprès d'un organisme privé qui édite des feuilles de paye, ce qui permet au final d'établir des statistiques régulières. Le marché automobile américain est extrêmement solide, la confiance des ménages est extrêmement solide, les projections économiques liées à l'économie américaine sont d'une force, sont dans un momentum pardon, très fort, ce qui permet au dollar américain, et vous avez sous les yeux ce premier graphique que je souhaite vous montrer, je reviens un peu en arrière. La tendance du dollar américain depuis l'été dernier, regardez juste, c'est juste parfait. Énorme tendance haussière, range. Tendance haussière, range. La probabilité, c'est quoi? C'est qu'on en sorte un jour par le haut. Surtout depuis le piège baissier ici de la mi-mai. On avait tenté de sortir par le bas du range. On l'a réintégré violemment. On a fait ici un nouveau test. Ça s'apparente même à, rappelez-vous, cette figure dont je parlais à une certaine époque, la fameuse Magic Pattern. La Magic Pattern en analyse graphique. Eh bien, on a eu sur le dollar US une configuration en Magic Pattern. Fausse cachure, réintégration, retest. Là, c'était le point d'achat parfait. Le 18 juin, au lendemain de la réunion de la réserve fédérale qui a établi des projections économiques très fortes
notamment pour l'année 2016 et l'année 2017. Le dollar US a donc fortement progressé depuis le 18 juin. Cela s'est notamment exprimé à travers la hausse du taux de change USD-CAD essentiellement. À travers la baisse du taux de change NZD-USD, c'était les deux plus belles stratégies d'achat du dollar américain. Short NZD-USD, long USD-CAD. Sauf que là, forcément, on a fait un grand chemin depuis deux semaines. Mais l'analyse technique permettait de l'accompagner, ce chemin. Avant le rapport NFP, on prend bien sûr des bénéfices. S'il est bon, le dollar US ira plus haut. Donc, comme promis, le morning meeting est organisé par classe d'actifs, le FX, les indices boursiers, les matières premières, les marchés de taux. On va donc déployer ce plan. Et on commence par le FX, le marché d'échange flottant. L'US dollar index, en données 4 heures, un marché fermement bullish sur le fond, fermement aussi à court terme depuis le 18 juin, jambe de hausse, phase de transition latérale, divergence haussière cachée sur le RSI, je vous en ai parlé en début de semaine, m'invitant à croire fermement que le support à 11 820 points sur le Dow Jones FXM dollar index tiendrait. Il a tenu, double bottom sur 11 825, accélération haussière, essentiellement à travers la hausse de l'USD CAD, la hausse de l'USD Yen et la baisse de l'euro dollar. Nous voici à nouveau contact d'une résistance sur l'US dollar index, test de cette ligne de tendance baissière. Tout dépendra maintenant du rapport NFP. S'il est solide à l'image du rapport ADP. Alors, je vais vraiment tout à l'heure nuancer le rôle précurseur du rapport ADP. Vous allez voir, l'ADP, c'est pas grand-chose. Malgré tout, c'est un baromètre. On en parle plus tard. Donc l'US dollar index, c'est haussier plus ou moins sur tous les horizons de temps, sauf qu'à court terme, après plusieurs semaines de hausse, on rencontre une résistance. Donc, on se détend désormais sur le dollar US. On va maintenant étudier les paires majeures. Et je vais commencer par la plus pure d'entre elles pour approcher la tendance haussière du dollar US, le bien nommé Looney. Le Looney, c'est le petit nom du taux de change dollar américain, dollar canadien. Le dollar canadien est sous pression depuis la publication du taux de croissance du PIB canadien en mai, décevante, négative même. Le dollar US déploie toute sa tendance haussière. Le taux de change USD-CAD dévoile une analyse technique parfaitement haussière, notamment depuis la tenue des 1,2166, un canal de hausse, résolution haussière d'un petit drapeau en H4 le 29 juin. On en sort par le haut, on pull back, point d'achat parfait. Hier, je vous ai dit anticiper la cassure de cette ligne de tendance baissière, elle a été brisée. Les targets étaient ici, 1,2486 s'est dépassé, pull back. 1,2562 la résistance, l'ancien double top s'est dépassé. Prochaine target sur le taux de change USD CAD, 1,2663, 1,2704 et 1,28. Maintenant, c'est clairement suracheté, mais du chemin haussier depuis le début de la semaine, on en a fait avec quand même 300 pips, que simplement, et au-delà de tout le discours fondamental que je vous propose depuis quelques minutes, que tout simplement les graphiques indiquaient. Donc, c'est la meilleure, c'est l'USD CAD, elle est propre. Techniquement, on peut considérer maintenant qu'on a un support à 1,2562 à attraper pour se positionner éventuellement à nouveau. Car là, par contre, si vous n'êtes pas dans la hausse de l'USD CAD après la multiplication des signaux techniques d'achat donnés depuis la cassure de la ligne de coup de cette structure en épaule, tête, épaule inversée le 24 juin, donc depuis une semaine, vous arrivez un peu après la bataille. Mais pas réellement parce que je pense que ce marché peut aller encore plus haut. L'USD Yen maintenant, l'USD Yen c'était le scénario, le fameux pullback, rappelez-vous, dont Sylvain vous parlait le 26 mai à la cassure des 122 yens. L'idée c'était d'exploiter un éventuel mouvement de retour. Eh bien ça a mis du temps. On a fait la cassure haussière le 26 mai et on a fait le pullback le 30 juin. Donc oui, les pullbacks peuvent intervenir. Le pullback, il a fallu un mois avant qu'il intervienne, mais c'était le point parfait. Pullback sur 122 yens, il y a eu 4 chandeliers 4 heures pour l'acheter, c'était lundi, depuis rebond de 150 pips. Alors la configuration technique, j'espère que je ne parle pas dans le vide depuis tout à l'heure, la configuration technique du taux de change USD Yen, elle est hyper bullish, il n'y a juste rien à dire. C'est impulsion, range,
impulsion, range, impulsion, range. La suite peut être une nouvelle impulsion. Petit bémol. Je vous invite à ne pas tenir ce week-end de position ouverte sur l'USD Yen, des positions over week-end, parce que le JPY, lui, c'est une monnaie refuge. Si le non l'emporte, le JPY sera acheté, ce qui fera retomber l'USD Yen sur 122. Ça s'achète encore, j'ai envie de dire, si on revient sur 122. Perso, ça ferait double bottom peut-être. Moi, je paye. Bref, je vous ai expliqué que l'US dollar index, après plusieurs séances de rebond, rencontrait une résistance. Cette résistance, vous l'observez à nouveau sur l'USD Yen. Mais de manière générale, après une vague d'impulsion entre le 14 mai et le 5 juin, j'ai une lecture finalement en biseau descendant. Et donc, si le rapport NFP est bon, je pense que l'USD Yen peut parfaitement remonter en direction des 124,50, notamment donc s'il brise cette ligne de résistance. Alors on continue sur les paires majeures, on va parler maintenant d'une autre stratégie qui permettait à plein régime de jouer la force du dollar US. On vous le répète tous les jours, la vente du NZD USD. Chaque jour, les traders particuliers chez FXECM essayent d'anticiper le point bas. Vous êtes maintenant presque 80% à l'achat sur cette paire de devises et plus elle baisse, plus vous achetez, ce qui entretient mécaniquement la baisse. Pourquoi ? Parce que le réservoir des capitaux acheteurs, il est complètement rempli. 80% à l'achat, on peut plus mettre davantage de capitaux à l'achat sur ce marché. Et forcément, lorsque le réservoir des capitaux acheteurs est à ras-bord, il ne peut que se vider, ce qui entretient la baisse. C'est ça l'approche contrarienne des marchés financiers. C'est ce qu'essaye de mesurer notre Speculative Sentiment Index. C'est aussi que de l'analyse technique, le NZD-USD. On a cassé un support le 30 juin, les 0,6816. On a fait le pullback quelques heures plus tard. Et depuis, on a perdu 200 pips. Et on avait cassé un nouveau support à 0,6756. Et c'est tellement faible qu'on est en train de sortir par le bas d'un canal de baisse. Mais ça, c'est aussi typique d'un positionnement des investisseurs particuliers à contre-tendance massive. Alors, un jour, lorsque un rebond technique interviendra, forcément, ce sera fort. Ça, personne ne sait quand est-ce qu'il interviendra. Donc j'ai toujours dit que finalement qu'une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. C'est d'ailleurs le tweet que j'ai épinglé sur mon compte Twitter. Vous avez ici sur le NZD-USD un canal de baisse qui illustre parfaitement cet adage. Une tendance se relance plusieurs fois. Un jour, elle va se retourner et on sortira du canal et ce sera terminé. Mais la sortie du canal, ça arrivera qu'une seule fois. Mais combien de fois la tendance baissière aura été relancée dans le canal ? Beaucoup plus de fois. C'est le principe de base de l'analyse technique. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Donc, voilà. Avec l'USD CAD à l'achat, le NZD USD à la vente, c'était, lors des deux dernières semaines, vraiment des stratégies d'analyse graphique et portées par des fondamentaux favorables au dollar américain. Et très, très éloigné du dossier grec. À un moment ou à un autre, le dossier grec, ça impacte les marchés actions de la zone euro, ça impacte l'euro, ça impacte le marché de la dette. Il y a quand même des monnaies qui permettent de s'en écarter de ce dossier grec. Et c'est un peu notre discours depuis le début de la semaine, de vous inviter, si vous voulez trader bien sûr, ou investir, à vous intéresser à des actifs qui s'éloignent le plus possible de la volatilité que génère le dossier grec. C'est le cas de ces taux de change. Donc à propos du NZD-USD, est-ce que les données des positionnements des traders chez FXM a changé ? Cet après-midi, on vous propose un SSI. On vous propose les nouveaux chiffres du Speculative Sentiment Index. Bah, on fera le point cet après-midi sur le NZD-USD. Alors l'euro-dollar, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'euro-dollar ? Eh bien, pas réellement de nouveauté depuis le Good Morning Euro-dollar de ce matin. C'est baissier sous un 14,60, c'est encore plus baissier depuis qu'on est sorti par le bas d'un biseau ascendant, c'est baissier sous un 12,50. On a fait un range entre 1,1135 et 1,1235, on en est sorti par le bas. L'objectif de sortie par le bas, c'était quoi ? Lorsqu'on sort par le bas d'un range, on reporte l'amplitude au point de cassure. 1,1135 moins 100 pips, ça fait, oui je l'ai entendu, 1,1035, et le point bas c'est 1,1035. Donc c'est... Certains appellent ça la théorie de la balançoire. On prend l'amplitude du range ici,
un 10-35, un 11-35, un 12-35, je le projette au point bas de la cachure, ce qui me donne ici un nouveau range. Voilà. Plus ou moins une des approches chartistes. Enfin, voilà actuellement donc où en est le taux de change euro-dollar dans un nouveau trading range compris entre 1,1035 et 1,1135 $. Et pour l'instant, on a le marché qui tient. La suite, le rapport NFP. Les stratégies de marché, on vend sous résistance. Vous êtes dans le sens de la tendance. À contre-tendance, sur ce cross, vous achetez sur support. Et à contre-tendance, j'exagère peut-être parce qu'au fond, c'est une paire de devises qui est neutre depuis 4 mois maintenant, entre 1,05 et 1,15. Bon, en tout cas, voilà pour le cadre technique du taux de change euro-dollar. La UD-USD, c'est du range trading aussi. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on est pile poil sur le bas du range, tiens, tenez. Alors là, c'est... Bon, bah écoutez, moi je vous donne ça comme ça, je découvre en même temps que vous. La UD-USD, c'est un des plus beaux range trading du marché des changes. 0,76, 0,78, 20. Au moment où je vous parle, on est sur le bas du range. Le point de rebond du 1er juin, le point de rebond du 5 juin, le point de rebond du 2 juillet. Alors, bon, quatrième fois qu'on revient sur le bas du range, si le rapport NFP est solide, ça peut casser. Autant vous dire que si on casse par le bas, on chute au moins de 100 pips. C'est baissier, hein, jambe de baisse, range. Donc l'idée c'est que on est. Mais bon, là on est sur support, donc ça shorte pas. Hein. On ne vend que sous résistance. Mais dans tous les cas, on teste un niveau important ici sur la UD-USD. Le niveau des 0,7598, c'est un support. Et donc on est à nouveau passé de la partie haute à la partie basse. Est-ce que ça se paye ? C'est le principe d'un support, j'ai envie de dire. Alors déjà, on va prendre la question autrement. Est-ce qu'on peut tenter une stratégie d'achat sur le support à 0,76? L'autre question qu'on peut se poser, parce que sur un marché, face à un actif financier, on peut faire trois choses. Rien, acheter ou vendre. Est-ce qu'on peut vendre un support? Non. Donc pas de stratégie de vente au niveau actuel. Donc il reste deux possibilités. J'achète le support ou je ne fais rien. Est-ce que j'achète le support à 0,76 $? C'est un range, il dure depuis un certain temps. Il y a une probabilité plus forte de continuer, puisque le jour où on en sortira, ça n'arrivera qu'une fois. Mais les relances à l'intérieur d'un cadre technique, ça se produit plusieurs fois, lorsque le cadre technique est stable. Donc, on peut envisager l'achat du support. Mais c'est quand même à contre-tendance de fond. Petit bémol, donc. Qu'est-ce qui milite en faveur de ne rien faire ? La proximité du rapport NFP. Un élément statistique de premier ordre, un des trois grands agrégats économiques que suit la Réserve fédérale, ce qui vous invite potentiellement à ne pas tenir de position sur ce niveau-là avant la publication. Donc il y a deux choix possibles, deux argumentations. Ensuite, la décision, elle appartient à qui ? Bien à vous. Le câble. Alors le câble, je me suis toujours intéressé à un niveau de prix. Le niveau des 1,5550. Oui, l'achat du niveau des 1,5550 m'intéresse. Et pas avant. C'est une ligne de tendance, c'est un niveau important. Bémol malgré tout sur le câble, le fait que le marché à travers cette hausse depuis avril a retracé 50% de toute la baisse entre l'été 2014 et avril 2015. Il y avait en plus ici une belle situation de divergence baissière lorsque le marché est allé chercher les 1,59 $. Alors une divergence baissière standard. Malgré tout, ici on a un pivot horizontal, 1,5550. C'est le seul niveau de prix qui m'intéresse pour une éventuelle stratégie d'achat avec un risque financier très mesuré. Un stop 20 ou 30 pips en dessous, sous la ligne de tendance. Alors, moi je ne ferai. Alors, si le vote est oui, oui tout à fait. Le yen serait vendu. Si le vote est oui, l'USD yen, ça remonte à 126. Hein. Donc ça, oui, tout à fait. Je vois cette question dans la section commentaires. C'est tout à fait de cette façon-là qu'il faut voir les choses. Alors voilà pour les paires majeures. Donc on continue le point de marché par case d'actifs. Excusez-moi, je prends un peu d'eau pour. Voilà. Les marchés actions européens, je n'ai rien à vous dire dessus. Ce sont des ranges.
Ce range, il va durer et durera jusqu'à dimanche, donc jusqu'à demain. Attention, Wall Street est fermée demain. Demain, il n'y a pas d'investisseurs américains sur les marchés financiers internationaux. Je vous rappelle qu'une grande partie du CAC 40 et des marchés actions de la zone euro sont tenus par des investisseurs institutionnels états-uniens. Et demain, ils ne sont pas là. C'est la fête nationale aux États-Unis. Autant vous dire que la Grèce, ils vont en avoir rien à faire. Rien du tout. Pour eux, d'ailleurs, c'est très loin. Mais ce que je veux vous dire, c'est que demain, ils ne sont pas là. Donc, ils sont en vacances. Fête nationale, indépendance des États-Unis. Donc le cadre technique que vous avez sous les yeux, il a une bonne probabilité de se maintenir. 4780, 4950 sur le CAC. 10 900, 11 290 sur le DAX. Deux pivots. 11 120 ici pour le DAX. 4 855 pour le CAC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ces marchés-là? Honnêtement, il y a mieux à faire que les indices boursiers de la zone euro. Soumis à de l'incertitude, soumis à de la volatilité, il y a des paires de devises qui sont très éloignées du dossier grec, qui déploient de la tendance. Voilà. Donc, encore une fois, des paires de devises dont je viens de vous parler qui m'intéressent. Alors, malgré tout, on va décortiquer le DAX. Vous l'avez sous les yeux, vous avez les bougies japonaises en données horaires. On fait quand même un espèce de range après avoir fait une jambe de hausse entre 10 900 points et 11 290. Je vais encore descendre ici sur les horizons de temps, sur le DAX. Voilà le petit range qui se forme à court terme entre 11 120 et 11 290. Hein. Vous voyez, donc c'est une imbrication de range. Le support le plus évident, c'est 11 120. Et si j'affine encore plus à court terme, on est sorti par le bas d'un micro-range entre 11 180 et 11 210. C'est 30 points. Et on a fait la target théorique puisque depuis les 11 190, on a perdu les 30 points. Ça, c'est si ça, si vous voulez vraiment zoomer en intraday, c'est ça. Mais moi, je m'intéresserais à un range. On peut tracer aussi cette ligne de tendance. Voilà dans quoi on est maintenant sur le DAX. Moi, j'aurais tendance ici en 15 minutes à voir les choses de cette façon-là. Finalement, une sorte de triangle rectangle. Hein, on peut maintenant dire ça hein, entre 11 120 et ça. Moi, je verrai les choses de cette nature-là sur le DAX. Bon, les indices boursiers US, j'en parle tout à l'heure dans le Wall Street Insider, ce sera son principe, avec notamment le rapport NFP. Les métaux précieux, je tiens à vous parler de l'once d'or. Vous avez un article sur notre site. L'once d'or est sous pression depuis le 18 juin. Vous avez remarqué que l'once d'or baisse autant que le dollar monte. Il y a eu un soubresaut acheteur dans la nuit de dimanche à lundi, effacé en une seconde. Parce que l'once d'or n'a pas d'attrait pour les gérants en tant qu'actif refuge. L'once d'or est en risque de chuter en direction de ses plus bas annuels. Attention, l'once d'or est au bord du gouffre. Il teste un niveau décisif à 1162,59 dollars. Si ça casse, on tombe à 1142. Donc ça, c'est le niveau important. On l'a rejoint depuis la Fed et depuis la semaine dernière. On est couvert par cette oblique de résistance. Si le rapport NFP est solide, l'once d'or va casser le support et tomber à 1142. L'once d'or, moi je vous en parle depuis plusieurs séances en vous disant c'est vendeur parce que je suis haussier dollar US. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rappelez-vous trois possibilités. Rien, achat ou vente. Peut-on acheter? On est sur un support, certes, mais on l'a déjà testé et on a rebondi un petit peu. C'est trop tard donc. Peut-on shorter? On ne short pas un support. On pouvait shorter sous la résistance en début de semaine, à 11 174. Peut-on ne rien faire? Forcément, oui, il y a une proximité temporelle. Par contre, on pourra faire des choses après. Si vous êtes déjà vendeur sous depuis la résistance, vous tenez, éventuellement vous prenez quelques bénéfices et vous baissez les stops. Si on casse le support, à ce moment-là, les 1162 deviendront une résistance qui pourra être vendue. Donc attention, l'once d'or est au bord du gouffre. 1162 $ 60, ça peut tenir, ça peut casser, mais derrière, il y aura une phase importante, ce sera lié au dollar US, ce sera lié au rapport NFP. On va le suivre en temps réel cet après-midi, l'once d'or, mais ça, c'est très important. Et vous pouvez observer cette semaine, il n'y a pas de enfin, ça n'a fait que de baisser, quoi, en dépit de l'incertitude liée à la Grèce, hein, ici sur le XAU USD. Hein.
Mais bon, ce sera un des actifs. Cet après-midi, moi, je vais me concentrer sur les paires majeures du Forex, le DAX, l'or et les marchés actions US. Donc, je serai avec vous. Je vous donnerai un peu le décryptage. Je vais aussi, pendant 15 minutes, entre 14h15 et 14h30, vous réexpliquer exactement ce que c'est que le rapport NFP. Donc, ça, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà. J'ai toujours préféré des stratégies de vente sur l'argent métal parce que je le trouvais beaucoup plus propre. Vous avez sous les yeux le graphique du XAG-USD avec ce beau canal de baisse. J'ai toujours préféré les ventes, notamment depuis qu'on était sorti par le bas de cette structure d'élargissement ici sur le XAG-USD. L'idée c'est quoi? Sur l'argent, c'est toujours de baisser en direction des 15-30, qui sont ici les plus bas de mars 2015. Et c'est le scénario que je continue de défendre tant que le marché se maintient sous la première résistance ici à 15,80. Alors on a un niveau ici qu'on tient. On voit que le marché le travaille. Le niveau des 15,58. Mais mon biais, moi, il reste de toute façon négatif tant qu'on se maintient sous les 15,80. Bon, de toute façon, là, l'once d'or et l'argent, ils ont bien baissé. Ils sont venus sur des supports, mais franchement, j'ai plutôt le sentiment que ça pourrait casser. Et on a toujours aussi cette possibilité de chartiste d'avoir ici une structure en épaule, tête, épaule, avec une tête qui a vraiment l'apparence d'un V-top. Ça peut faire mal. Et dans ces cas-là, on peut retomber ici. Ça, on verra bien avec le rapport NFP. Mais j'ai un biais baissier, vous l'avez compris. Le marché des taux d'intérêt. Alors, marché des taux d'intérêt, on va faire simple. Il y a un seul contrat chez FXM, le contrat de taux allemand Bund. Il y a eu un marché en mode risk-off, notamment lundi. Risk-off, c'est quoi? C'est l'aversion au risque. Le marché a peur. Lorsque le marché a peur, non, il n'achète pas l'or. Mais il achète du Bund. Il a acheté du Bund. Et puis depuis, à mesure que les séances passent et que la part du oui dans les sondages augmente, on voit que l'inquiétude retombe et le contrat Bund retombe. Moi, je pense que le Bund, il a fait un point bas le 10 juin. C'est un niveau très important, 149. Je pense qu'on peut acheter le Bund sur ce niveau de support ici, à 149,95. Mais on n'y est pas encore. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne, certes, elle n'intervient pas directement sur le marché action. Par contre, elle achète des obligations d'État. Et elle achète du Bund, notamment. D'ailleurs, ce matin, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle allait augmenter le nombre d'agences de dette éligibles à son programme de quantitative easing. La Banque Centrale Européenne est en train de nous annoncer que, en gros, si le non l'emporte, elle va largement augmenter ses achats de dettes souveraines. Bref, la Banque Centrale Européenne, elle est déjà en train de nous dire que si la Grèce sort de la zone euro, elle lance un QE2. Et attendez-vous à ça. Si la Grèce sort de la zone euro, la Banque Centrale Européenne lancera le quantitative easing 2. Ça aurait été plus. Ça rappelle, le QE2, on peut parfaitement l'envisager. Je vois pas ce que peut faire de autre. Si la Grèce sort de la zone euro, il y aura un QE2. Et qui sera probablement concentré sur les achats de titres de dette du sud de l'Europe. Parce que si la Grèce quitte la zone euro, les taux italiens, espagnols, portugais vont exploser à la hausse. Donc la BCE, elle va arriver, puis elle va tout acheter. Voilà, pour faire que les taux se maintiennent très bas. C'est ça le jeu, hein, sur les marchés financiers. Ça fait longtemps que les prix ne sont plus libres depuis que les banques centrales européennes, depuis que les banques centrales achètent des actifs. Donc le Bund, concrètement, il est maintenant. Vous avez ce niveau horizontal, il est dans ce range. Voilà. Il est là. Donc entre 149,95 et 152,30. Voilà. Et donc bah, on recule depuis la partie basse. Donc je pense qu'on peut retomber dans. Voilà. Ça, c'est ce que je pense du contrat de taux allemand Bund. Bon, je vous remets entre l'once d'or, hein, qui est attention au bord du gouffre, soyez donc très prudents. Alors, les questions maintenant. Les questions. Première question de Panthère 666, fidèle participant de nos émissions.
et elle porte sur le GBPNZD. Ça vous plaît le GBPNZD? Vous avez raison. Vous avez raison de vous intéresser au GBPNZD, tout comme vous avez raison de vous intéresser au GBPAUD, au GBPCAD, à l'USDCAD. Ces paires de devises sont presque parfaitement étanches au dossier grec et elles déploient des belles tendances. Le GBPNZD, c'était une opportunité d'achat hier sur une belle ligne de tendance haussière. Le GBPNZD, il a donné un signal d'achat le 30 juin en sortant par le haut d'une espèce de pattern en épaule tête épaule inversée qui certes est moche, mais elle est là. On a fait le pullback le 1er juillet. À ce moment-là, je vous ai donné deux targets. J'ai laissé mes expansions de Fibonacci, 2,33-35 et 2,35. On a dépassé le premier objectif, donc maintenant je vise plus haut. Alors, y a-t-il une divergence en daily? Attention, une divergence, elle peut être en construction, ça c'est une chose. Elle peut être active, c'est encore autre chose. Il n'y a actuellement aucune divergence active. Il n'y en a même pas de potentiel. Il n'y en a pas. D'autre part, je vous rappelle qu'une divergence, ça ne fait que jouer sur le rythme du marché. C'est-à-dire que ça peut simplement ralentir la hausse. Donc c'est en aucun cas une raison de shorter. Même une divergence active, c'est pas une raison de shorter. Le GBPNZD, autant vous dire que si la question que vous me posez c'est va-t-on d'abord à 2,35 ou est-ce qu'il faut shorter pour aller à 2,26, moi je vous dis on va à 2,35. Après, si vous voulez shorter une des plus fortes tendances haussières du marché, c'est à vous de voir. Dans ces cas-là, attendez au moins un signal sur les prix, la cassure des 2,32,40. Donc ça reste haussier. Alors, donc à nouveau cette question sur l'USD Yen. Alors c'est vrai que j'y ai plus ou moins répondu tout à l'heure. Le résultat du vote au référendum en Grèce dimanche prochain n'aura pas d'impact direct sur le dollar américain, qui reste bien ancré sur les fondamentaux de l'économie américaine. Par contre, il peut y avoir des conséquences immédiate sur le yen japonais, donc c'est de cette façon là qu'on peut faire le lien avec le taux de change USD yen. Voilà, mais moi si le taux de change USD yen il revient sur 122, je lirais presque ça comme un double bottom et ça m'intéresserait en fait pour revenir à l'achat sur cette paire majeure. Donc ça ne fait aucun doute. Après, il faut plutôt privilégier le scénario qui verrait un bon rapport NFP et une capacité du taux de change de remonter en direction des 124. Bon, de toute façon, si on sort par le haut de cette compression ici, l'idée c'est de revenir chercher les récents tops. Oui, l'oblique, elle est là, Oliane. Alors, si vous parlez d'oblique, vous parlez probablement de celle qui guide la progression des cours depuis le début de la semaine. Voilà, c'est celle-ci. On est actuellement dessus, c'est certain, c'est qu'on va pas la conserver indéfiniment. On a fait une progression de 122 à 123,60, la ligne de tendance baissière. On peut poursuivre les oscillations dans cette pattern. Moi, si on revient à 122, je paye personnellement. Enfin, façon de parler, bien sûr, vous avez bien compris. Mais je pense que voilà, 122, c'est un niveau tout à fait solide. Maintenant, on est sous résistance, hein, c'est ce que je vous expliquais. C'est comme USD4, comme USD-Yen. Il y a eu une phase de progression. Les mouvements, de toute façon, ont souvent lieu en amont. Alors tout au long de la semaine, il y a eu des statistiques américaines qui expliquent sa hausse. Je vous en cite deux, la confiance du consommateur US selon le Conference Board et le rapport ADP qui porte sur exactement 15% de la population active des États-Unis. En Panther 666, voilà, donc le GBPNZD. Moi, vous savez, le GBPNZD, c'est comme le GBP-AUD. J'estimais hier qu'il y avait du potentiel. Il y en avait. Le GBP-AUD, il y avait hier une divergence haussière cachée en H4, mais elle était oufissime, si vous me permettez l'expression. Juste là. Voilà. Au-dessus du support à 2,0260. Avalement haussier. Vous avez ici une extension de Fibo qui vous donne les targets. Jambe de hausse, latérale, jambe de hausse. Dans le sens de la tendance, les divergences de momentum cachées, elles sont parfaites. Et elles produisent de bons effets. Cette semaine, la semaine dernière, je vous ai montré une divergence baissière cachée sur le NZD-USD.
Cette semaine, je vous ai montré deux divergences haussières cachées, une sur l'US dollar index, c'était lundi, et une sur le GBP AUD, c'était hier. Ça produit souvent de bons effets. Donc moi aujourd'hui j'ai vraiment me concentrer sur l'once d'or parce que c'est un niveau très important, 1160$. Si ça casse, c'est dangereux pour le métal jaune. Donc si ça tient, ok, on va rester dans le range. Mais attention, on teste vraiment un seuil décisif sur l'once d'or. Voilà, test d'un seuil décisif à 1162$. Prudence sur vos positions. Je ne connais pas les toutes dernières données de positionnement sur l'once d'or du spéculatif sentiment index. Ce serait intéressant de les noter. Mais soyons prudents sur un marché qui teste un niveau très important. Si vous voulez à nouveau vous persuader de la corrélation négative entre le dollar US et l'once d'or, vous avez sur notre site un article qui vous propose notamment cette table de corrélation. Sur un mois, le coefficient de corrélation entre l'US dollar index et le XAU USD est de moins 0,94. C'est donc une corrélation fortement négative. Elle tend vers moins 1. C'est pour cette raison que vous pouvez avoir le sentiment que le graphique de l'once d'or, c'est juste le dollar US, mais à l'envers. Et bien, c'est une réalité, notamment depuis le 18 juin. Alors, visiteur, je poste votre question parce qu'elle n'est pas polie du tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'once d'or ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un des actifs majeurs et que c'est l'objet du morning meeting, c'est de couvrir les actifs majeurs. Mais après, si vous vous en fichez de l'once d'or, je vous invite à ne pas écouter ce programme. Voilà. Allez, merci d'avoir été attentive et attentif au morning meeting. Je vous retrouve à partir de 14h15 pour l'émission spéciale NFP. D'ici là, bon appétit à tous. Le 13h des day traders avec Sylvain à 13h. Et puis moi, je vous retrouve à 14h15 pour le rapport NFP, les paires majeures, le DAX, l'once d'or et les actifs qui vous intéressent. Merci à tous.